Bonjour à tous. Aujourd'hui, nous sommes touchés par la situation sanitaire liée au Covid-19, avec chaque jour davantage de personnes touchées et de morts dans le monde entier. Inquiétés, nous sommes confinés à la maison afin de nous protéger contre l'épidémie et attendons de nouvelles consignes du gouvernement. Les informations quotidiennes sont diffusées à la télé et à la radio, ainsi qu'aux réseaux sociaux. Mais à votre avis, l'égalité concernant l'accès à l'information est-elle respectée? Non. Les personnes sourdes, moi y compris, rencontrons des obstacles difficiles face à cette situation en raison du manque d'accessibilité et de surtout de communication. Notre vie a changé, perturbée et délaissée, je vous donne quelques exemples. J'ai pas compris. Le port du masque ne permet pas la lecture labiale et la reconnaissance d'expressions faciales. Malgré le masque, il existe des solutions pour pouvoir communiquer. Prenez un cahier et votre stylo pour écrire à une destination d'une personne sourde. Si cette dernière souhaite communiquer avec vous, elle prendra ses siens. Ainsi, aussi, vous pouvez utiliser votre téléphone portable. Il existe aussi un masque fabriqué pour permettre la lecture labiale, comme celui-ci inventé par le médecin américain. Attendez! Pourquoi il y a la tête, il est chutée. T'étais à quoi, mais la nature, quoi. Oh, t'as vu comment tu t'aimes? Papa, quoi. Quand j'ai fini de regarder le discours de Macron, je suis allé sur Twitter pour y consulter les commentaires et les réactions des gens. Certains se moquaient de l'interprète LSF, la considérant comme un singe et n'ont pas hésité à faire des vidéos dans lesquelles il imitait des gestes inappropriés n'ayant rien à voir avec la langue des signes française. D'autres pensaient que la présence des sous-titres et d'une interprète était excessive, se figurant qu'un des deux est amplement suffisant. Non, certains sourds ont de grosses difficultés en français ou ne savent pas lire. Vous moquez d'eux et vous les discriminez. Être interprète LSF est un métier très difficile qui nécessite de longues années d'expérience et 5 ans d'études. Vous moquez de ce métier? Non. Nous, les sourds, nous avons réclamé pendant 20 ans le sous-titrage et la présence d'une interprète LSF, afin que l'accessibilité soit totale. Ainsi, avoir un interprète LSF lors du discours officiel a été une victoire pour nous. Vous vous moquez d'eux et vous les discriminez encore. Non, cela suffit, s'il vous plaît. Vous devez respecter la langue des signes, les interprètes et la communauté sourde. Merci. Le télétravail n'est pas facile pour les sourds, car les réunions, les conférences et les cours sont en vocal. Les sourds sont déçus de cette initiative, le fait de ne pas pouvoir suivre. En général, ils suivent facilement grâce à la présence d'interprètes. Rien n'est mis en place pour le télétravail. Certains ont demandé aux professeurs d'organiser la réunion chat. Certains d'entre eux ne le font pas ou oublient que nous sommes sourds. Le plus important, c'est de rappeler que l'accessibilité est un droit pour tous. Les aménagements sont obligatoires à mettre en place. Si vous voyez un étudiant sourd, isolé et perdu, il est important de les soutenir. En donnant les cours photocopiés, des prises de notes, des résumés, ils se sentiront bien à l'aise et pourront travailler ensemble. Je vous ai donné 3 exemples. J'espère que vous avez clairement compris. Je vous dis une chose importante, impossible n'est pas français. Mettre en place des aménagements n'est pas compliqué. Grâce à ça, notre vie quotidienne s'est facilitée. Je vous prie d'être ouvert et conscient de nos besoins. Merci d'avoir pris du temps à écouter mes conseils. Quand tu as pas du temps.